Ok, on vérifie d'abord si notre mobile est routé avec l'appli Route Checker qui nous dit que ce n'est pas le cas comme on peut le voir ici. Ensuite, on va lancer la deuxième appli KingRoute, passer, passer et cliquer sur essayer. Le chargement terminé, on clique sur Get Now. Un peu après, on nous dit que le route est validé. L'appli effectue donc un petit test de sécurité et on va l'optimiser si nécessaire. Ok, une fois que c'est bon, on retourne juste dans Route Checker. On lui autorise l'accès aux routes et l'appli nous confirme que notre téléphone est désormais routé. Maintenant, pour unroute ou désinstaller le route, il faut juste se rendre sur l'application KingRoute à nouveau. Au niveau des paramètres généraux, puis cliquez tout en bas. De là, on appuie sur continuer et on me propose de faire un backup de données du route, ce que je vais refuser, puis valider. On retourne dans ce route checker et le travail est fait. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou un secret Android si t'es abonné à la chaîne. Bye.